Salut à tous les gamers, c'est Wartek et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci sur Advanced Warfare. Je sais que dernièrement vous avez vu pas mal de vidéos qui n'étaient pas du Call of Duty. Effectivement, ma chaîne se tourne un petit peu sur pas du multigaming, mais un peu autre chose que uniquement du Call of Duty. Et là aujourd'hui, je me suis dit, voilà, j'avais posé une question sur Twitter si vous vouliez voir ma quatrième game de placement de LoL ou tout simplement une game d'Advanced Warfare. Et Advanced Warfare a été votée à 200 retweets. Contre 180, donc franchement ça se tenait. Et là on attaque direct en jeu d'armes les amis. J'ai envie de vous faire un petit peu de jeu d'armes, ça change un petit peu de voilà que du sniper. Je vous ferai une autre game en une balle, donc le fameux mode sniper, pour vous parler notamment de la feed et ce qui a pu se passer au niveau de du kill feed hein, tout simplement. Donc là on va essayer de faire ce jeu d'armes, on va essayer de gagner surtout. Je vais vous parler un petit peu justement de mes projets actuels et un petit peu des vacances que je vais prendre bientôt à venir. Et aussi de ma chaîne de vlog et aussi une nouvelle thématique que je vais lancer bientôt sur ma chaîne. Donc jeu d'armes, on va voir ce que ça va gagner, j'espère que je vais réussir à gagner. Donc là ouais, c'est pas du snipe hein, mais j'ai pas de radar, j'ai rien. Ouais. Ah si j'ai mon radar. Ok, il y en a un derrière moi. Salut toi. Oh là, ça m'a changé d'arme. Salut toi. Ok, ils sont où les autres là-bas? J'en ai un derrière moi je crois. Non, non j'ai cru. Donc, de quoi... Oula, merde. Oh, je vais mourir je pense. Il campe là-bas en bas. Ah, oh, ça a 3 balles, 3 par 3 balles. Ah, oh, mince. Donc, de quoi je voulais vous parler? Oui, donc ce mode, une balle que j'ai pas encore pu tester. Il faudrait que je vous le fasse en vidéo, voir ce qu'il en est. J'ai pu déjà y jouer, hein. J'ai par curiosité quand même, je l'ai testé juste avant. Et voilà, et franchement, je trouve ça sympa, hein, ça apporte un truc un peu sympa. On se fait rapidement spawn trap hein, quand l'ennemi a l'avantage, parce que bon, vu que c'est un mode une balle, hein, il suffit d'une balle hein, évidemment. Mais voilà, je trouve ça sympa qu'ils aient fait ça pour les snipers. J'adhère pas trop au système de l'avoir l'IEM au bout d'un moment. Je vois pas trop l'intérêt, surtout quand on joue sniper, mais salut toi. Non, ça va, hein, je tiens bien encore à l'arme hein, sur ce jeu. Je suis en sensibilité 10 hein, pour ceux qui demandent. Et donc oui, je vous disais, je vais partir en vacances une dizaine de jours. Là, dans une dizaine de jours, je pars le 15, à partir du 15 mars. Je pars une dizaine de jours en vacances avec Marie. Je vous dis pas encore où, hein, c'est une surprise, vous verrez ça sur mes tweets et sur mes vlogs justement. Si vous allez suivre mes vlogs, j'ai à côté de ma chaîne de gaming une chaîne de vlogs pour ceux qui ne le savaient pas. Si jamais, vous pouvez retrouver sur ma chaîne principale une playlist avec mes vlogs dedans. Donc voilà, si jamais vous voulez retrouver un peu mes anciens vlogs, vous pouvez les voir là. J'ai commencé il y a quelques temps en arrière. Oula, cet outplay. Ouh, il y en a derrière moi. Je pense qu'il va me tuer parce que là clairement il a l'avantage parce qu'il sait où je suis. Ah, moi non, allez, voilà, nice. Salut toi. Quoi? Ah, s'il me tue, j'aurais été tellement deg. Oh, c'est un bulldog! Oh là là, mais quel enchaînement! C'est fou ce que je fais là! Ah, je suis mort. Et donc voilà, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, qui sont intéressés par ma chaîne de vlog, vous pouvez la retrouver dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à y aller. Ou je vous mets une annote maintenant hein, pour aller voir ma chaîne de vlog. Et vous abonner si c'est pas encore fait. Il y a presque 100 000 abonnés, je crois. Un peu plus de 100 000 abonnés dessus. Donc c'est plutôt cool. Oh, c'est le laser, putain, je m'attendais pas à ça. Et voilà, donc vous aurez un petit peu de mes news aussi grâce à ça, et bah, mes réseaux, hein, comme d'hab, vous le savez. Et voilà, les top 10 continuent, hein, je pense que vous avez vu, et donc la nouvelle catégorie, voilà, prends ça. C'est quoi ça? Ah oui, putain, c'est un pompe à impulsion, ça. Voilà, bah t'es arrivé exactement au bon endroit pour le pompe à impulsion, toi. Salut! The fuck? Pour la nouvelle catégorie, en fait, ça a à voir avec le gaming, un petit peu, mais ça a aussi à voir avec de la création. Vous verrez, c'est quelque chose d'assez nouveau, je vous en dis pas plus. C'est des choses que vous pouvez créer vous-même. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai pas encore joué avec toutes les armes de le jeu. Du coup là, à chaque fois... C'est un fusil à pompe? Ah oui, S12 auto, d'accord, oui, effectivement. Le S12, ça, je sais ce que c'est. Ah, et c'est auto en plus, d'accord, très bien. Salut toi. Il campe dans un coin, là, lui, là. Pas mal, ça. Oula. Oulala là là. Alors là, pour tuer un ennemi avec ça... Ah bah voilà, tu visais de demander. Est-ce que je suis premier? Oui, 17-8, je suis premier. Oula, qu'est-ce que c'est que... Mais qu'est-ce que c'est que ces... Ah, un sniper, ça m'intéresse. Je vois personne, par contre. Ah si, là en face. Non, je loupe la balle. Hop là. Ah, un gun, RW12. Non, oui, c'est ça. Non, RW1, pardon. RW12, j'ai confondu avec je sais plus quoi. Attendez, parce que là, je me concentre un petit peu. Voilà, prends ça. Non, là-haut, je l'ai vu. Oh merde, oh là là, c'est terrible. Donc voilà, donc ça c'est un nouveau projet que je vais bientôt lancer. Je suis en train de récupérer tous les éléments. Ce sera plus du...
Voilà, du IRL mêlé avec le gaming que du gaming pur et dur en termes de gameplay. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est un nouveau truc que je veux lancer et que je trouve ça sympa. Parce que j'aime faire ce genre de truc. J'en faisais un petit peu avant, moins maintenant. Avant que je commence ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est des trucs que j'espère qui vous plairont. Hein. Ça a à voir avec le gaming et la première vidéo à voir avec Call of Duty Black Ops 2. Donc voilà, je pense que je vous ai donné assez d'indices comme ça pour cette nouvelle série. Viens là toi. Non mais c'est trop dur cette arme de loin. Je peux pas viser avec ce truc. C'est pas possible, je peux pas, je peux pas. Ah, oh, je l'ai tué. Mais je vous jure, c'est invisible. Ah merde, oh là là, mais non mais c'est pas vrai, mais les armes qu'il me donne là, son deck. Arrête Arrête de me brûler avec ça. Il faut que j'ai un mec au corps à corps. Là-haut, 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 là-haut. Je les ai vus, je les ai vus, je les ai vus. Viens à toi. Non, 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 non. Meurs, merci. Oh, l'Atlas, ça je connais. Voilà, la preuve. Qu'est-ce que... Oh, c'est un lance-missile, ça? C'était un lance-missile, ça? Oui, 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 c'est un lance-missile, tiens, attrape. Mince, j'ai loupé. Recharge, vite, recharge, recharge. Là, prends ça. Oui, je suis un génie, arbalète. Ça devient compliqué. Non, je l'ai pas eu. Je l'ai pas collé, je l'ai pas collé. Là, l'arbalète, je vous jure, ça c'est un truc, c'est... Moi, je trouve ça vraiment compliqué. Voir si je vais réussir à finir. Donc voilà pour tout ce qui est mon actualité. Si jamais sur les vlogs vous en retrouverez, j'en poste un petit peu tous les mois. Hein. Là en ce moment j'en avais pas trop parce que voilà, vloguer un déménagement c'est sympa, mais voilà, on fait vite le tour quoi. C'est un déménagement. Est-ce que j'arriverai à la voir? Oh non, mais j'arrive pas à la voir. C'est compliqué l'arbalète. Allez, monte. Où est-ce qu'ils sont? Je suis nul en. Mais le mec il est allongé sur le toit avec ses trucs. Allez, oui, je l'ai collé. Mais non, il meurt avant, ce gros. Porc. Voilà, lui, il est mort. Oui, eh ben, j'ai gagné. Voilà, un génie. C'est tout. Un génie, toute catégorie, les amis. Voilà, Phase War Tech, premier. Puis j'ai acquis le cam à l'arbalète. Je lui ai collé dans le pied, regardez ça. Boum, dans leur... Oula, dans le talon d'Achille. Eh oui, c'est le point faible, c'est le point faible. Donc voilà, les amis. J'espère que cette petite game d'Advance Warfare, j'ai fait du 25-14, vous aura plu. J'hésite à enchaîner sur une autre, histoire de faire quelque chose un petit peu plus long. Allez, j'enchaîne sur une autre. Ça, je peux continuer un peu à vous parler, parce que là, j'étais concentré un petit peu tendu sur la fin. Donc, on va réenchaîner. Qu'est-ce qu'on va voter? On va voter aléatoire. Et donc, voilà. Donc, comme vous avez pu le voir dernièrement, j'ai sorti pas mal de nouvelles vidéos, dont Dragon Ball, dont... comment il s'appelle? The Order 1886. Et oui, j'ai une PS4, les amis. J'ai une PS4, comme vous pouvez voir derrière moi. J'ai pas mal de choses. Hein. J'ai une PS4... une NES qui est... Attendez, j'ai mes doigts qui se trompent. Une NES qui est là, j'ai une 64 qui est ici, avec un jeu que vous connaissez peut-être, pour ceux qui sont vieux comme moi, c'est GoldenEye. Donc voilà, donc j'ai bien l'intention de bientôt vous faire une vidéo setup de tout ce que j'ai derrière moi, pour pouvoir tout vous montrer. Et voilà, et j'espère qu'en tout cas que ces petits vlogs que je vais faire pendant les vacances vont vous plaire. Et je vais vous parler un petit peu d'Advance Warfare sur cette deuxième game, pourquoi j'en fais un peu moins, pourquoi je fais un peu d'autres choses. J'ai pas pu voter, ah si c'est bon. Pourquoi je fais un peu d'autres choses et pas que du Call of Duty, mais tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai commencé Call of Duty en 2004. Alors certains d'entre vous devaient être très jeunes, je pense, pour ceux qui sont nés dans les années 2000-2001, pour ceux qui regardent mes vidéos et qui ont 13-14 ans. Mais voilà, ça fait 10 ans que je joue à Call of Duty, donc voilà, j'ai tout simplement envie de voir autre chose. C'est pour ça que j'ai envie de jouer à The Order, c'est pour ça que j'ai envie de vous faire du rétro gaming un petit peu, des fois vous faire des anciens jeux, pourquoi pas, j'ai Zelda Wind Waker, j'ai des trucs de ouf, et League of Legends, qui est un jeu auquel je joue depuis un an et demi, depuis juin dernier, que j'aime beaucoup, et je me suis dit, voilà, tout simplement, j'y joue beaucoup, alors pourquoi pas ne faire une série dessus, ce qui explique pourquoi j'ai fait cette série de vidéos où je vous montre mes games de placement, tout simplement. Et voilà pour ce qu'il en est. Mais je continuerai à faire du Call of Duty, mais je vous ai dit, je vais faire des trucs un peu plus fun. Peut-être que des fois, je ferai des vidéos avec Marie. Donc, pour ceux qui demandent qui est Marie, c'est ma copine. Sa chaîne, c'est Enjoy Phoenix. Pour ceux qui ne le connaissent pas et qui suivent que du gaming, vous verrez, sa chaîne, c'est Enjoy Phoenix. Donc voilà, on a l'intention de faire quelques vidéos ensemble, quelques trucs un peu fun. Peut-être pourquoi pas des Sims. Enfin bref, je vais faire d'autres choses que du Call of Duty. Allez, premier 100 pour moi. Je pense que les mecs vont du coup me tomber dessus vu que j'avais la marque. Là-bas, où il y en a un. Et deux, un. Je suis à 2. 2 kills avant de mourir. Et je suis pas Gotaga hein, à l'arme, hein, clairement. Oula. Pas aussi fort que lui. Oula. Non, je loupe mes balles. Alors, on va essayer de la, on va essayer de la regagner, celle-ci. Je fais du cas là-haut. Ah, j'ai pas de grenade. J'ai essayé de lancer une grenade par réflexe. On va faire un double saut. Hop là, dash. Oh, il se rattrape pas. Voilà, je vais mourir parce que je pense qu'il y en a qui sont derrière moi. J'ai vu des balles fusées là-bas, les amis. J'ai vu des balles fusées, je vous le dis.
Hop là, salut. Là-bas en haut. Ah, mais là, faut que je me rapproche. Cette arme est pas précise du tout. Arrête de tirer partout. Il me l'a volé. Salut, toi. Quoi? Mais vous avez arrêté de me les voler là, bande de voleurs? Évidemment, je meurs. J'essaie de me concentrer, mais ça fait longtemps. Hein. J'essaie de revoir mon shoot là, mais c'est pas frais tout ça. Voilà, surtout qu'à l'arme, j'ai pas l'habitude. Je suis en 106-10. Vas-y, ressaute s'il te plaît. Non, il a pas envie. Je vais le chercher alors. Où il est? Ah, là-haut. Là-haut, il y en a un. Là-haut, j'en ai vu un sauter. Derrière moi. Je vis tellement mal. Oh mon dieu, c'est horrible. J'aurais dû m'arrêter à la première game. Là, je suis deuxième. On va essayer de la gagner. Bon, en tout cas, on retiendra que j'ai gagné la première. Ça, c'est déjà une sécurité pour moi. J'ai voulu en faire une deuxième par bonus. Mais le mec se baisse pour pas que je le tue. Je vais aller le chercher. Arrête de camper ici. Oh, il y en a bien derrière. Désolé, je commente un petit peu le gameplay, mais voilà, j'essaie de m'appliquer un petit peu. Salut, toi. Non, 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 c'est à 3 balles. Oh non. Donc voilà, il y en a certains qui m'ont demandé aussi si j'allais peut-être aller cette année au Coach Hams. Malheureusement, je ne pense pas. Parce que justement, je serai en vacances et pas du tout, du coup, à côté des Coach Hams et je pourrais pas y aller. Donc voilà, cette année, malheureusement, je n'y serai pas. Et je pense que voilà, du coup, je fais un petit peu moins de Call of Duty. Je pense que. On m'y a proposé, hein, mais je pense, voilà, comme Ghost, c'est un peu moins légitime que j'y aille, parce que, voilà, je pense que des youtubeurs comme Skyros, comme Levedouce, qui font, voilà, Only Call of Duty, méritent plus que moi, hein, tout simplement, d'aller à des events pareils, et voilà, mais j'aurais bien aimé y aller, mais c'est parti remise, peut-être l'année prochaine. J'y avais été pour Black Ops 2, sur lequel je m'étais énormément concentré, vous savez, on avait fait le sniping et tout. Donc là, je trouvais que, voilà, y aller pour Black Ops 2, c'était quand même un petit peu plus normal que... pour celui-ci où j'ai joué un petit peu moins. Est-ce que je suis premier? Je suis à égalité avec quelqu'un. Avec le bal de deuxième, du coup. Enfin, le premier ex aequo. Oh, cette arme laser là. Attendez, tire au pigeon. Allez, prends ça. Non, mais c'est l'autre qui le tue. Oh, il est trop fort lui aussi. On se tient dans cette game. Hein. Les mecs sont pas mauvais là, clairement. Enfin, pas mauvais. C'est moi qui suis mauvais alors, j'en sais rien. Peut-être c'est possible. Voilà, salut. Un autre qui arrive derrière, fusil à pompe, je le tue pas. Si c'est bon, encore un autre. Ah non. Ah non, non, pas cette fois. Et donc voilà, par rapport au projet, j'espère en tout cas, j'ai vu qu'il y en a certains d'entre vous à qui ça plaisait énormément que je fasse autre chose que du Call of Duty. J'ai vu certains d'entre vous qui ont beaucoup dislike aussi les vidéos parce que c'était pas du Call of Duty. Mais voilà, hein, je veux dire, c'est malheureusement c'est ma chaîne. Je sais que vous êtes tous là pour du Call of Duty, mais j'ai décidé de faire un petit peu d'autres choses. Certains me diront ouais, mais tu perds du large, tu vas faire un petit peu comme Diablo X9 faisait à l'époque, mais pas du tout en fait. C'est-à-dire que j'ai quand même fait 4 ans de Call of Duty et qu'aujourd'hui j'ai envie de faire autre chose. Mais je vais pas arrêter de faire du Call of Duty. Hein. Vous en aurez encore et je vais faire des trucs juste tournés plus fun sur lesquels je m'amuse vraiment. Voilà, faire des trucs genre les mains dans le dos, enfin des trucs à la con que je pouvais faire avant. Et je trouve ça beaucoup plus fun. Allez, meurs! Oui, je l'ai tué. Donc voilà, tout simplement essayer de faire quelque chose où je m'éclate, tout simplement. Putain, mais ça tue vite cette arme, c'est bien cette arme là. Un petit sniper, où il est? Ouais, non, je loupe ma balle, non, il a disparu. Je pense que je vais avoir des mecs dans le dos dans pas longtemps. Oh, je l'ai loupé. J'ai essayé d'aller un peu vite, j'aurais dû prendre mon temps pour essayer de le tuer. Il y a du mec là-haut. Là-haut, il y a de l'ennemi. Et de 1. Ensuite, un deuxième. Non, je l'ai loupé. Oui, humiliation. Hop là, salut. Ça va arriver là. C'est logique, les respawns sur ce jeu, les amis. Ça va encore arriver là, sauf que là, je l'ai esquivé. Où il est? Oh non, j'ai failli lui mettre un coup d'humiliation. Je suis toujours premier, hein, avec 21 kills. Pas mal en avance, là, sur l'autre. Je suis à 4 points, mais bon, ça va vite, 4 points. Je vais essayer... Mais il est où là? Salut toi. Non, meurs, s'il te plaît, meurs, merci. Ou un petit coup d'Atlas, faut que je... Oh, non. Non, Neil. Ah non! Avec le laser, ça me fait jouer pas droit. Tirer pas droit du moins. Hop là, salut. Non, c'est le lance-roquette ça. Ça, faut que je chope un mec dans un coin. Oh, lance-roquette. Et voilà, en tout cas, dites-moi si ces petites games en jeu d'armes vous plaisent. En tout cas, moi, je m'amuse bien. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je l'ai tué? Non. Non, je l'ai pas tué. Ah, boum boum, allez! Oui! Et l'arbalète pour finir, les amis. On va essayer de faire quelque chose de joli en oscope. J'en sais rien, hein, on va essayer. Autant que j'ai un peu d'avance. Y'a un mec là-haut. Est-ce que je le touche? Non, je le touche pas. Non, noscope, on a dit noscope. Sur noscope. Non, il meurt pas. Allez, je peux pas recharger, mais recharge! Bah, je suis tombé dans le vide, je suis nul. Bon, allez, 24, on va essayer de terminer ça, les amis. Ça, je vous laisse sur cette petite fin, l'arbalète. J'arrive pas à l'avoir. Hein. Allez, salut.
Boum! Et fin de la game, les amis, deux jeux d'armes gagnés d'affilée, donc voilà, c'était plutôt sympa. J'espère que cette petite vidéo de 15 minutes sur Advanced Warfare vous aura plu. N'hésitez pas à retrouver dans la description les liens des dernières vidéos que j'ai pu faire, que ce soit Dragon Ball, LOL ou The Order 1886. Et voilà, je vous laisse là-dessus les amis, je vous fais plein de bisous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était WarTech. Allez, ciao tout le monde.